Salut tout le monde, moi je suis Elise, je suis UX designer dans la product line User Lifecycle. Je suis arrivée il y a un petit peu moins d'un an chez Bedrock et aujourd'hui je vais vous parler de Cookie Jar. Je check juste, oui c'est bon, j'ai l'impression de parler toute seule, c'est cool. Je vais vous parler de Cookie Jar. Donc Cookie Jar, qu'est-ce que c'est? En fait le défi face à ça, c'est de parler de comment on va centraliser toute la connaissance utilisateur qu'on a chez Bedrock et chez nos clients. Comment on va centraliser tout ça et qu'on va rendre cette connaissance utilisateur plus effective. Donc nous, on va le faire côté design avec Cookie Jar, donc il y a un UX Data Repository. Donc en fait, l'objectif, c'est vraiment voilà, de centraliser, de prendre toute la connaissance utilisateur qu'on a, de la centraliser au même endroit, pouvoir avoir une roadmap produit qui s'améliore avec la data qu'on a des utilisateurs et de vraiment se baser là-dessus. Et en creux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a aussi, c'est un produit interne à Bedrock, c'est un produit B2E collaboratif pour pouvoir capitaliser sur cette connaissance utilisateur et pouvoir gérer cette connaissance utilisateur. Il y avait aussi des pain points qu'on avait côté produit, qui étaient côté design, qui avaient de la connaissance utilisateur qui était sur un drive, un drive perso d'un designer d'un côté, des drives communs par-ci par-là. Donc c'était un peu fragmenté dans tous les sens, avec le risque, avec les nouvelles personnes qui arrivaient, les personnes qui partaient, de répéter la même recherche que potentiellement un designer ou une designer avait fait 6 mois avant. Donc du coup, ça faisait un impact qui était faible par rapport au temps investi. Et puis, on sait on fait du B2B2C, mais nous, en tant que UX designer, on avait aussi envie de rééquilibrer la balance et dire, voilà, on a des demandes clients qui viennent, des besoins clients, des besoins business, mais on a aussi des end-users qu'il faut satisfaire et qu'il faut entendre. Et donc, voilà comment on peut collecter et produire de l'information documentée pour pouvoir avoir une démarche centrée utilisateur. Donc, avec Cookie Jar, ce qu'on veut faire, on veut quantifier l'impact de l'UX Research, donc avec l'arrivée de Nivine à la direction design. L'idée, c'est de voir un petit peu, de tracer aussi l'impact qu'on peut avoir sur le produit, de pouvoir aussi, chaque designer qui est dans les PL, pouvoir aller dans sa collaboration avec le PLM ou les nombreux PO avec qui on va travailler, de pouvoir fournir des insights de qualité, donc ça veut dire centré utilisateur et surtout documenté, pour pouvoir justement être garant de la pensée centrée utilisateur dans les roadmaps. Et puis aussi, on va s'appuyer sur, on a des clients qui sont plus ou moins matures en termes de production de research utilisateur. Et on va pouvoir potentiellement aussi s'appuyer sur des clients qui sont plus matures et qui produisent de la recherche aussi, de pouvoir récupérer cette donnée-là et de l'intégrer à la nôtre, de la rassembler avec la nôtre. Et puis aussi, quand on fait des produits, des évolutions core, de pouvoir justifier nos choix en disant, on a fait telle recherche, on a abouti à tel insight et donc telle recommandation, et de documenter tout ça. Alors, comment ça marche? Vous avez avec vous à Lyon l'équipe du design system qui travaille en atomic design, donc qui découpe le design en petits morceaux. C'est la même démarche. On a la méthode atomic research. Donc l'idée, c'est d'atomiser la connaissance utilisateur, pas de l'automatiser juste comme ça, mais de l'atomiser pour pouvoir construire et mettre en mouvement de la research. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les livrables qu'on fait au jour le jour, donc des questionnaires, des interviews utilisateurs, des tests utilisateurs en remote, travailler avec TestAPIC, notre partenaire de test utilisateur, des analyses TOR aussi, donc on va récupérer tout ça, on va aussi intégrer à terme les A/B tests, les analytics, et puis aussi toute la matière d'analyse marché qui est faite côté strat innovation. Donc ça, ce sont des expérimentations, c'est-à-dire un livrable de recherche, et ce livrable, on va le découper, on va extraire des faits. Donc ça va être un verbatim, une observation, une statistique. Donc c'est quelque chose qui est assez court, qui vit en lui-même. Et en fait, après, ensuite, on va combiner plusieurs faits en insight. Donc on va prendre un fait qui va venir d'un questionnaire, un fait qui va venir d'un test utilisateur, un fait qui va venir d'une analyse TOR et un fait qui va venir d'un analytics. Et en fait, ça va être un insight du coup qui va être riche parce qu'il va être à la fois documenté et en même temps composé de différentes qualités de research.
Et c'est là où on n'est pas des, c'est pas des petits robots qui vont le faire, c'est que bah, on prend cette donnée et nous, en tant que researcher, bah, on va aussi voilà, voir vraiment le contexte dans lequel on s'inscrit, de s'assurer de la qualité des faits et des expérimentations qui sont produits pour ensuite pouvoir produire une recommandation. Donc on est à la fois sur, on est sur deux qualités, deux temporalités d'insights, c'est-à-dire qu'on est sur, potentiellement on peut avoir des insights qui sont de l'ordre de l'amélioration produit, donc qui vont être des itérations sur le produit, sur l'existant, mais on va aussi faire de plus de discovery, on espère qu'on va en faire plus aussi, de la discovery pour identifier peut-être des features qu'on va intégrer dans X mois, parce que là, on est en train d'intégrer certaines choses, mais que nous, en amont, en avance de phase, on va travailler sur de la recherche, du questionnaire d'appétence sur tel utilisateur, tel groupe d'utilisateurs serait intéressé pour telle feature, partager sa liste ou je ne sais quoi. Et donc, on va pouvoir aussi tracer ces recherches-là et pour pouvoir après fournir au PL cette documentation. Donc là, aujourd'hui, on est sur, on a poké cette base de données. Donc, quand on dit qu'on c'est un produit B2E, c'est qu'on est vraiment sur, on a essayé de, au côté design, de le penser vraiment produit, d'avoir, de penser vraiment qu'est-ce qu'on allait mettre dans notre MVP, comment on allait le construire. Donc, c'est pour ça qu'on le remplit petit à petit. Donc, on a commencé vraiment à tracer nos expérimentations, en extraire des faits, en testant, en voyant comment on pouvait produire des insights. Donc là, par exemple, dans l'appel User Lifecycle, on a pu expérimenter ce process-là sur tel ou tel test qu'on a fait chez un de nos clients pour pouvoir voir comment ça pouvait être intégré dans les initiatives de la roadmap. Et voilà, donc là, tout ça pour dire qu'on la nourrit petit à petit, on ne va pas trop vite parce qu'en fait, sinon, ça va être une base de données qui sera polluée. Et l'idée, c'est vraiment que ce soit utile. Et comme je le disais tout à l'heure, l'idée, c'est que ce soit utile donc, à la priorisation produit. Donc pour nous, les designers, nos partenaires aux produits et puis bah, ceux qui font la relation avec les clients. Aussi, l'idée, c'est que le cookie jar soit vraiment un terrain à plus de collaboration. Et là, ça va être le défi suivant sur la suite de ce MVP. C'est que là, on commence à présenter ce produit, à présenter au PLM et au PO comment on va pouvoir l'utiliser avec eux, au Customer Product, mais aussi bah, voir comment on peut mieux travailler avec la data. Donc, on a commencé à parler aussi avec les équipes data. Là, aujourd'hui, on n'intègre pas les AB tests qui sont produits, mais l'idée, c'est qu'on puisse rapatrier aussi bah, les AB tests qui concernent vraiment les utilisateurs finaux et qui des insights intéressants sur les utilisateurs finaux et aussi d'avoir bah, des analytics, de pouvoir pas prendre, de pas tout intégrer les dashboards que les data analysts produisent chez Bedrock, mais d'aller sur de la collaboration et dire, bah, voilà, on a un insight qu'on a produit nous avec la research qu'on fait au produit, avec des tests utilisateurs, avec des questionnaires, eh bien, on va pouvoir aller collaborer avec les data analysts pour dire, bah, voilà, moi, j'ai cet insight-là, qu'est-ce que tu peux m'en dire, comment tu peux affirmer ou au contraire bah, me dire en fait non, c'est pas tout à fait ça ou moduler l'insight qu'on aura produit. Donc vraiment sur de la collaboration et aussi pareil, il y a un gros travail qui est fait en research stratégique et market, des gros benchs qui sont faits de tout dans le monde entier sur des produits internationaux, voir comment on peut s'en inspirer, comment on peut aller piocher dans les initiatives qui sont faites sur du social listening, sur certains sujets, voir comment on peut aller prendre justement ces sujets-là. Voilà, donc on essaie d'être itératif et de pouvoir travailler proprement pour qu'on ait une base de données propre. Et l'idée, c'est que vraiment, quand je dis qu'il faut que ce soit propre, c'est qu'il faut que ce soit utile et que ce soit activé. C'est-à-dire que nous, on va être au design owner de l'UX Research qui est produite, donc c'est-à-dire de lancer des expérimentations, d'identifier des besoins avec les customer product, avec les PLM, avec les PO, avec la stratégie, dire, ben voilà, il y a un besoin, on va faire de la research ou pas, parce que des fois, ce n'est pas nécessaire, de créer des recommandations, des expérimentations, de créer des faits, des insights. Et l'idée, c'est que vraiment chaque designer soit porteur de son insight dans sa PL pour que les recommandations qui sont faites, donc les hypothèses de solution à un problème, donc un insight, c'est identifier un problème, et la recommandation, c'est une hypothèse de solution, une solution face à un problème. Et bien que cette recommandation soit écrite main dans la main, non pas juste par les designers, mais aussi avec les PLM, les PO, toutes les équipes derrière,
pour qu'ensuite les initiatives soient vraiment soient appropriées par les équipes et qu'on puisse après ensuite améliorer le produit de cette manière-là et que bout en bout, les personnes qui développent, qui délivrent, puissent aussi avoir de la documentation sur pourquoi on fait telle ou telle chose et être itératif de la même manière qu'on l'est de manière très théorique sur l'utilisation du double diamant. À dire que voilà, ça s'inscrit aussi dans ça, c'est-à-dire Cookie Jar, ça permet d'avoir un outil qui trace toute la discovery et aussi la définition d'un problème et de pouvoir ensuite itérer sur les solutions qu'on va produire. Donc là, on a par exemple fait une hypothèse de recommandation dans la PL User Lifecycle qu'on va A/B tester et ensuite on pourra intégrer les résultats de cet A/B test dans Cookie Jar et ainsi faire évoluer le produit. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la base de données sur Airtable, donc là pour l'instant on est sur des profils éditeurs, designers et puis commenteurs pour, je pense, pour tout ce qui est produit. Et l'idée c'est que vraiment ce soit surtout un outil accessible à tous et à toutes. Que ce soit vraiment le lieu où on puisse, n'importe qui chez Bedrock, puisse aller voir un petit peu ce qu'on produit, ce que les utilisateurs finaux expriment, leurs problèmes, voir un petit peu qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait aussi. Peut-être, ça intéresse certains, connaître les différentes manières de faire de la research, qu'est-ce que ça veut dire de faire un questionnaire, qu'est-ce que ça veut dire de faire de la vidéo, peut-être venir nous pinguer nos designers, dire est-ce que tu peux montrer telle ou telle restitution de tests utilisateurs en vidéo. Donc l'idée, c'est que vraiment, il y aura des vues accessibles à tous et à toutes pour que chacun puisse regarder les insights qui sont produits, les recommandations qui sont produites. Et puis, on va profiter des écrans qui sont dans les open space pour vous partager aussi, par exemple, un nouvel insight ou un verbatim intéressant ou une nouvelle expérimentation qu'on a lancée. On a lancé un channel Slack qui, pour l'instant, est en phase de rodage. Mais l'idée, c'est de partager aussi la même chose que ce qu'on partage sur les écrans, qu'on puisse le partager sur Slack. Et puis, il y aura une première, dans le prolongement de Cookie Jar, on va lancer des cookie breaks, donc des cookie breaks mensuels. Donc là, il y aura une restitution d'une expérimentation, donc là, un livrable UX. Donc là, par exemple, il va y avoir la restitution de la recherche qui a été produite dans la PL Ads. Watch, Ads, la double PL, parce qu'on a une UX designer pour les deux PL, Constance, sur le tunnel de pub. Donc là, ce sera fin juin, ce sera 30 minutes.